Bonjour, mon nom est Jason Lajoie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marc-André qui est ici. On vous parle du nouveau C-Force 1000 Overland de CF Moto. De retour derrière la caméra, je laisse mon professionnel Marc-André qui est ici, à l'avant de la caméra. Salut Marc. Professionnel, amateur de quad peut-être, mais pas professionnel. Ouais, tu connais ton affaire un peu, tu sais, faut dire. Ouais, c'est ça. J'aime pas le superlatif. Par contre, D'entrée de jeu, C-Force 1000 Overland de CF Moto, ça marche quoi en hiver? C'est basé sur la plateforme C-Force 2 places haut de gamme. Donc, c'est des machines qui sont déjà montées touring. C'est des gros 2 places. Là. C'est dans la même catégorie, mettons, que les Can-Am Outlander 850 000, les Polaris Sportsman Touring 850 000. Dans la même catégorie. Gros cube, gros quad. C'est des gros monstres. Ce que CF Moto nous a apporté ici présentement, ce qui est vraiment très, très plaisant, c'est que là, ils nous ont amené un produit qui est vraiment très, très fini, un excellent rendu. J'ai toujours dit, j'ai pensé quelque temps que les designers chez CF Moto, un bout, ils étaient daltoniens. Ils ne connaissaient pas les agencements de couleurs. Maintenant, on a quelque chose qui est vraiment super beau. Mais c'est pas juste beau. Ça s'appelle le Overland pour une raison bien particulière. C'est la grosse mode présentement. On voit ça souvent dans le caravaning maintenant. On transforme des pick-up en camper et on peut vivre une expérience dans la nature et tout l'agrément. Parce qu'on n'a pas besoin de rien. En anglais, on appelle ça off the grid. On n'a pas besoin de rien, mais on a besoin de place pour amener du stock. C'est ça. Donc, on se fait de la place, on se fait un endroit pour coucher. C'est très, très minimaliste. On a tenté de reproduire cette nouvelle mode, c'est assez récent, ça fait quelques années seulement qu'on voit ça, dans un quad. Et CF Moto, c'est les premiers à vraiment avoir visé une machine dans le VTT, en touring avancé, donc Overland. Pourquoi Overland? Bien, c'est les groupes d'options, les agencements qui viennent avec. On a beaucoup, beaucoup d'inclusions. Ma préférée. Vous savez, je suis un gars de pneus, je suis un gars de roues, j'adore ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a une roue, ce qu'on appelle un beadlock en anglais, une roue à arceaux de sécurité. Donc ça, c'est une roue qui est tenue fermée par cet arceau-là avec des boulons 10 mm. Et on peut, l'avantage de ça, c'est qu'on ne peut pas déjanter. Ça ne déjante pas, donc si on pogne un trou ou une roulière en hiver, impossible de déjanter avec ça. La couleur, l'agencement de couleur est assez frappant au début, mais moi, je m'y suis habitué très, très rapidement. J'ai bien aimé. Vous me connaissez, les pneus, c'est un peu mon dada. Et je comprends pas pourquoi les autres manufacturiers font pas ça. Ça commence, là, mais CF Moto, ça fait un bout qu'ils font ça. Ils l'ont chaussé, le Overland, avec des excellents pneus. On parle des CST Clincher, c'est un pneu de type Touring, beaucoup plus plat. Normalement, c'est du CST Stag qu'on met sur cette machine-là, qui est excellent, vraiment très, très bien. Mais ça, le clincher a l'avantage d'avoir un meilleur support. Donc, c'est un pneu qui va être moins bruyant, qui va être beaucoup plus précis, surtout lorsqu'on est sur des surfaces dures. Et le confort est un tout petit peu, juste un tantinet meilleur que sur le CST Stag. C'est excellent. Puis justement, je voulais vous montrer les amortisseurs. Viens-t'en voir ça, mon Jason. Des amortisseurs YIT ajustables en compression et en détente en bas ici. Et on peut ajuster aussi... Il y a une roulette en bas, là. Et on peut ajuster aussi la précharge des ressorts ici en vissant et dévissant selon ce que vous voulez comme confort. Dans le devant du véhicule, on a d'autres inclusions qui sont vraiment très, très intéressantes. Premièrement, on a... En avant, en bas ici, vous allez voir en aluminium. En anglais, on appelle ça un bash plate, mais c'est une plaque de protection en aluminium et de la protection. Mon plus gros problème avec les quads aujourd'hui, peu importe la manufacturier, c'est que c'est tout du plastique. Dans l'avant, en haut, en bas. Et si jamais on fait une sortie de route, on frappe, on a un accident, quoi que ce soit, ça va coûter cher. Très, très cher. Donc,
on nous a mis un beau pare-choc qui est très, très solide. Et dans ce pare-choc, on nous a mis, c'est pas des indicateurs pour tourner, c'est effectivement des phares d'appoint, des phares anti-brouillard. Phares d'appoint, phares anti-brouillard. Fog light. Des bons vieux fog light. Puis ils sont tout petits, mais sont vraiment, vraiment puissants. Ça, j'adore ça. Donc, on a toute l'inclusion ici. Et la cerise sur le sundae, toujours à l'avant, c'est ce déflecteur-là qui, à première vue, j'ai dit, voyons, c'est une parure, ça ne fonctionnera pas super bien. Et à notre premier bout qu'on a fait en sentier, j'ai tout de suite vu la différence. Il vient lever le vent juste un petit peu en haut ici. Donc, on n'a pas de vent ici et on a... ça fait pas de turbulence. C'est ça le plus que je veux vous dire. C'est extrêmement solide. Ça frottera pas nulle part. C'est vraiment très, très bien. Donc, en hiver, les mains sont moins exposées. On a moins froid. Les mains sont pas exposées non plus aux branches et toutes ces choses-là parce que si on fait du overland, on va faire on risque de passer d'un branchage et ces choses-là. Donc, on va avoir une bonne protection. Ensuite, ce qu'on va voir ici, c'est l'ensemble de boutons. Toutes les commandes. On est rendu à un niveau de finition international, de qualité. La seule chose que je déteste avec passion, c'est le commutateur ici pose justement les phares d'appoint en bas. Je suis désolé si on regarde ça. Ça, c'est une pièce qui jure. C'est vraiment... C'est pas fort. J'aurais aimé quelque chose d'un petit peu mieux que ça. Mais en bon québécois, c'est laid. J'adore la selle là-dessus. Le confort est vraiment très, 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 très bien pour des longues randonnées. Ça ressemble quasiment à une selle au gel. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Ensuite, on a l'ensemble Overland. On continue avec ça. On n'a pas une valise, on a deux valises. Et ils rentrent du stock là-dedans, mes amis, à n'en plus finir. C'est là-dedans, ici, là, je vais vous l'ouvrir. Regardez la grosseur de ça. Là-dedans, on peut mettre facilement un casque intégral complet et plusieurs choses. Donc, déjà là, on a beaucoup, beaucoup d'espace de rangement. Puis c'est ça qui fait que l'Overland a été considéré par CF Moto. C'est justement pour faire du tourisme à longue distance. Si on est en solo, on nous a installé un dossier sur la valise arrière. Et je dois dire, Jason, toi aussi, tu l'as essayé. Je confirme, c'est très confortable. C'est un gros plus. On a peut-être tendance à avoir le dos bombé et ces choses-là, tandis que là, on peut se reculer le dos et s'accoter sur quelque chose. Souvent, des fois, quand on fait des longues distances puis on n'a pas de coffre comme ça à l'arrière, on s'organise. En tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon sac à dos okay. Puis qui va me servir d'appui pour reposer un peu mon dos, tandis que là, j'ai ça direct. Bon. Ça ne nuit pas du tout. On va quand même aller faire un tour puis voir le gros coffre à l'arrière, parce que ça, c'est nouveau depuis 2020. Il y en a eu très peu dû à la fameuse pandémie. On a eu des retards de livraison chez CF Moto qui étaient assez énormes. Donc, maintenant, ils sont disponibles, on peut les avoir. Vous pouvez l'avoir pour votre machine, ce coffre-là, sur votre C-Force, votre C-Force 800, C-Force 1000. Mais ce n'est pas un coffre, c'est une caverne. C'est énorme, énormément de place. Comme on dit dans le communiqué de presse de CF Moto, là, c'est ceux qui aiment ça, transporter de l'eau, vous pouvez mettre 105 litres d'eau. 105 litres pour un coffre, ça commence à être gros sur un quad. 105 litres, c'est le volume. C'est les deux coffres ensemble. Et c'est voilà. L'espace combiné. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'espace de rangement. Puis quelque chose que j'adore, que finalement CF Moto y a apporté, la simplicité même. Tu veux enlever le coffre, tu tasses ça ici comme ça, tu enlèves ça, tu enlèves l'autre côté, tu glisses, le coffre, tu l'as dans tes mains. Donc ça, c'est très, très bien. Parce que tu peux enlever le coffre et on va vous montrer pourquoi on va enlever le coffre parce que il y a toujours un siège pour aller en arrière. Et voilà, on va vous montrer comment ça fonctionne. On garde quand même le coffre arrière et avec la possibilité d'avoir un passager. Maintenant, pour terminer, il y a quelque chose que j'avais oublié de vous mentionner. Ces petits bouts de plastique-là, c'est la chose la plus pratique qui a pas. C'est des extensions d'ailes. Ça vient toujours avec l'ensemble Overland. Et c'est très efficace. Vraiment, ça coupe beaucoup, beaucoup sur la boue.
qui peut venir revoler sur nous autres ou vos passagers. Donc, pour tout ce bel ensemble de super produits qui est vraiment bien agencé, parce que le look, pour moi, je le trouve vraiment très, très bien. C'est mon préféré à date que j'ai vu dans l'ensemble au complet des Seaforce Mill. C'est vraiment bien. Mais pour tous ces avantages-là et toutes ces pièces-là et tous ces agencements-là, il y a un prix à payer, Jason. Et combien doit-on débourser pour s'équiper de cette merveilleuse machine? Le manufacturier suggère un prix de détail de 15 500. Qu'est-ce que tu as pour 15 500? C'est ça, avec l'ensemble du Seaforce Mill. Une chose à noter, c'est qu'on a sur cet ensemble-là une suspension complètement ajustable en compression et en détente avec la précharge ajustable vissée et non pas à crénelure. Donc, on peut vraiment aller chercher des ajustements confort, sport et toutes les choses qui vont avec. Ce que j'aime de cette machine-là, en sentier fédéré, même dans les ZEC, un petit peu plus à haute vitesse, c'est une machine qui a un excellent comportement. C'est vraiment génial comme type de machine. Est-ce que c'est au niveau des autres? Dans tout, oui, sauf au niveau de la puissance moteur. C'est mon seul bémol avec cette machine-là. C'est qu'on manque un petit peu de puissance comparé aux leaders du marché qui sont Polaris et Can-Am. Est-ce que c'est énorme? Non. Mais c'est quand même là, on parle quand même de près de 80 chevaux. Tandis que, mettons, les autres 1000 vont friser les 92 en certains cas. Donc, ce 10 chevaux-là, ça paraît. C'est quand même une grosse machine, mais c'est plaisante parce qu'elle est quand même facile à manœuvrer. Fait que pour conclure, le Seaforce Mill Overland 2021 de CF Moto. Est-ce que c'est bon? La réponse, c'est oui. Est-ce que c'est la meilleure chose depuis le pain tranché? La réponse, c'est non. C'est à vous de prendre ça en considération. Est-ce que je vous recommande d'acheter cette machine-là? Si vous cherchez quelque chose de similaire à ça, quelque chose qui je vous suggère d'y jeter un coup d'œil, au moins allez voir chez le concessionnaire, faites-en l'essai si c'est possible. Allez voir, allez vous asseoir dessus, prenez le temps de faire votre shopping. Il y a trois machines présentement sur le marché qui sont comme ça. L'Outlander 1000, le Polaris Sportsman Touring 1000 et le Seaforce 1000. Donc, le choix est quand même assez limité. Donc, c'est un achat qui est recommandé. Vous ne devriez pas avoir de problème avec ça. La garantie de base là-dessus, c'est de un an, ou sur le groupe motopropulseur, c'est de 5 ans ou 5000 km. C'est ce qui met fin à notre essai aujourd'hui du Seaforce 1000 Overland de CF Moto. Si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, prenez le temps de vous abonner à notre chaîne Power Sports Québec. Venez nous rejoindre aussi sur Facebook, A Commercial Quadiste. Et surtout, venez nous rejoindre pour discuter avec nous sur notre groupe de discussion Facebook. Ça s'appelle Quadiste.net, Quad côte à côte. Mon nom, c'est Marc-André. Derrière la caméra, c'est Jason. Et nous, on s'en va se promener.